Bon match de deux. Donc voilà, on va rappeler les matchs justement du Maroc pendant ce rassemblement et le Gabon qui a fait aussi deux matchs, qui a perdu 2-0 contre Rennes et qui a fait 0-0, c'est ça, contre Guingamp. Voilà. Et puis voilà, et donc le dernier match de ce rassemblement, Gabon, entre Maroc, Maroc-Gabon. Voilà, je voudrais juste signaler, David, que le Gabon a eu l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour 2017. C'est super. Et que le Maroc, qui était à l'origine disqualifié, réintègre le giron du football africain. Donc je serai, j'espère, présent au Gabon, chez nos amis gabonais. Ben c'est bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble de tout ça? C'est du genre, tout rentre dans l'ordre? Maintenant, c'est juste une affaire de sous. Donc, préjudice aussi, peut-être préjudice. Oui, justement. Ouais. En tout cas, la sanction sportive a été complètement annulée. Donc c'est déjà très bien pour les générations de footballeurs marocains qui allaient être sanctionnés sans vraiment avoir été... pour quelque chose dans cette problématique de non-organisation de la Coupe d'Afrique au Maroc. En voulant faire les choses bien, c'est ça ? Voilà. Maintenant, c'est juste une histoire d'argent qu'ils vont, je suppose, régler au plus vite. Ça va être compliqué quand même, parce que... Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est quand même... Il y a un manque à gagner énorme d'organiser une CAN, de finalement... Oui, le Maroc a subi justement ce préjudice déjà en premier lieu... Bon, maintenant, on suppose que la CAF aussi, donc c'est comme je vous ai dit, maintenant ils vont s'arranger contre la CAF et la Fédé marocaine pour essayer de ne pas léser quelque partie que ce soit. Bon. Et nous, en tant que technicien, on s'intéresse qu'au jeu, donc vive le foot. Hein, c'est... Voilà, exactement. Ouais. Donc nous, on est déjà super contents que la sanction sportive ait été levée. Bah oui. Rappelons aussi, David, que cette opération-là des U19, elle a été précédée par une autre opération U17 de l'équipe nationale, ils ont fait un tournoi à Montaigu
Et pareil, bah, ça a connu leur rassemblement où il y a des binationaux, il y a des joueurs évoluant au Maroc. Et que le Maroc a été classé troisième. Très bon tournoi. Dans le gérant des équipes connues et reconnues. Bah, c'est l'Angleterre qui a été classée première, la France deuxième et le Maroc troisième. Donc j'espère que c'est des résultats qui vont s'enchaîner par la suite et qu'on ne va pas rester sur ce petit exploit. Exactement. En plus, j'y étais et j'avoue, c'était un super tournoi. Il y avait vraiment une belle équipe du Maroc qui s'est fait, pointer en début de tournoi contre la France. Hein. La France, elle était prête. On va dire qu'ils ont été pris à froid. Ouais. Parce qu'après, le match contre le Brésil, hein, c'était vraiment un super match. Et ils méritaient beaucoup plus. Et, mais c'est bien. C'était un vrai bon tournoi, comme vous dites. C'est encourageant pour l'avenir. Exactement. Bon, bah, place au jeu maintenant. Voilà, il fait beau. Hein, comme on dit, on est en Bretagne. Hein, voilà, on arrête avec tous ces préjugés. Si vous voulez balancer la composition d'équipe. Ouais, vas-y, Abdelteff. Chez les Marocains, il y a Cédri de l'Académie Mohamed VI. Gardien de but. Gardien de but, 97. Latéral droit, Alama Al-Din, Académie Mohamed VI, natif de 97. Axial, le Mriez de Bastia, 97. Nouader Anas, Académie Mohamed VI, natif de 98. Et Mendil Hamza, Académie Mohamed VI, natif 97. Je laisse donner la suite de la compo. Voilà. Devant la défense, Regragui, 97, Académie. Sahi, 98, qui est de Châteauroux, qui est le frère de Hamza Sahi, qui joue déjà avec l'équipe des U21. Ensuite, il y a Morsli derrière les attaquants. En attaque, il y a Mezian, 97 Académie. Il y a Ijay, qui est de Khribga, qui se situe au centre du Maroc. Et puis à gauche, Canis, qui joue en Italie, qui est un 97. Voilà, on espère un bon match. D'accord, et ça commence tranquillement avec position du Gabon. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, on pense le comprendre, mais nous expliquer ces deux formations qui ont joué l'une contre l'autre, Maroc A, Maroc B, et la formation qui joue là aujourd'hui là contre le Gabon. Je pense que les techniciens durant cette semaine, ils ont pu regarder, observer bien comme il faut les joueurs de ceux qui sont venus des clubs européens et des locaux. À la fin, je pense qu'ils nous ont sorti une sélection ou un noyau sur lequel ils vont s'appuyer pour les échéances à venir. Donc là, sachant c'est bien. Que des oppositions comme ça contre des sélections africaines, c'est ce qu'il nous faut. Hein, parce qu'il faut dire que nous, si on doit passer en international, il faut passer par le continental. Tous nos matchs doivent passer en Afrique, les éliminatoires et tout. Et on sait que le contexte africain est dur. Et même si on les rencontre ici en Europe, il faut multiplier les confrontations contre des sélections comme ça. Ouais, afin de se niveler, savoir après où les équipes en sont, quoi. Et donc là, c'est vraiment. C'est un premier noyau. D'accord. Qui sera certainement renforcé par d'autres joueurs qui n'ont pas pu venir au stage. D'accord. Pour cause de blessures. Dont deux ou trois qui sont de l'académie, qui n'ont pas pu venir. D'accord. Qui n'ont pas pu venir, donc qui pourront. Réintégrer le noyau dès que possible. Et là, le pourcentage, c'est donc de combien de locaux, d'Européens? Moi, je pense que dans l'idée des responsables, c'est au plus méritant. La sélection, je pense que c'est toujours ouvert. Et c'est au meilleur, c'est les meilleurs qui vont intégrer, qui font partie du dernier groupe, quoi. Oui, après on sait que ça bouge beaucoup. Là, les 40 joueurs qui ont été brassés là cette semaine, voilà, ils sont identifiés. Et après, on
Je pense que la TTN fonctionnera en fonction des pics de forme. Bah, y a le pic de forme, il y a aussi l'évolution des gamins. Il y a des gamins qui ont été vus au premier brassage. Et là, s'ils retrouvent la forme, s'ils retrouvent un niveau digne d'une sélection nationale, bah, sûrement ils vont réintégrer la sélection. Il y a aussi d'autres joueurs qui n'ont pas encore fait leur choix par rapport au pays avec lequel ils veulent évoluer. Et j'espère que les meilleurs intégreront la sélection marocaine. D'accord. Là, quand je vous écoute, hein, je sens que voilà, le haut niveau, c'est dur quand même. Hein, parce que voilà, c'est un travail d'équipe, collectif, mais on remarque quand même que c'est énormément un travail sur soi, un travail individuel pour pouvoir continuer à rester dans le groupe. Il y a toujours une remise en question, je le vois, hein, les jeunes, ils sont très contents d'être là, mais en même temps, ils sentent quand même cette pression quand même de représenter quand même son pays. Oui, c'est d'abord un honneur de représenter son pays. Donc ensuite, c'est sûr que dans lors de stages comme celui-là, tout le monde a envie de gagner sa place, tout le monde a envie de conserver sa place. Donc c'est vrai que les joueurs se mettent un peu de pression par rapport à ça. On voit que l'équipe marocaine essaie de repartir par derrière. Elle ne s'affole pas. C'est la première fois justement là, en parlant de s'affoler, parce que la ligne de défenseurs centraux, là, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Là, c'est la première. Comme je vous ai dit, c'est des stages comme ça, bah, ça sert à. Ça permet de trouver des automatismes. Exactement. Et on le voit, hein, entre le premier match et ce match-là d'aujourd'hui. Bah, y a une certaine confiance qui s'est établie, 5 jours pleins, ensemble, oui, manger c'est... ensemble, dormir ensemble, s'entraîner. C'est sûr, à l'image... Ça fait gagner du temps. Oui, à l'image de ce qui s'est passé en fait à Montaigu, le premier match, ils ont été un peu en dehors. Et puis au fur et à mesure des matchs, l'équipe s'améliorait jusqu'à atteindre cette troisième place. Donc avec un résultat au départ, une défaite je pense à 3-0 contre la France. Ensuite faire un partout contre le Brésil, gagner la Belgique et gagner la Côte d'Ivoire. Donc c'est venu crescendo. Au fur et à mesure, les joueurs commençaient à se trouver, donc c'était de mieux en mieux. Oui, mais bon, après, il y a des équipes au tournoi de Montaigu, hein, j'ai vu, hein, qui étaient là, il n'y a pas eu de crescendo. Hein, ils ne se sont jamais trouvés en fin de tournoi. Après, bon voilà, ils trouvaient quelques automatismes, c'est normal, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de montée en puissance, alors qu'on a vraiment senti cette montée en puissance du côté du Maroc, surtout qu'en plus les Ivoiriens pour la troisième place étaient là et c'était vraiment une belle équipe. Ils ont su bien les contenir. Mais quel est le secret? Qu'est-ce qui a été mis en place vraiment concrètement pour qu'on sente que toutes les équipes nationales de jeunes sont dans quelque chose de progressif? Ben écoutez, déjà je pense la nouveauté c'est dans le dispositif. Je pense qu'on est en train d'essayer de faire jouer toutes les équipes, que ce soit les U17, les U15 ou les U20 maintenant, dans un certain dispositif, en 4-4-3, en 4-3-3, pardon. D'accord. OK. Et je pense que ça, c'est la nouveauté. Pour qu'on puisse, justement, à l'avenir, qu'un joueur qui monte des U15 au U17 ne se sente pas, n'ait pas de... Comment vous dire, qu'il n'ait pas de temps d'adaptation, qu'il soit tout de suite... Dans le bain. Voilà, donc ça c'est une nouveauté, que les équipes puissent jouer dans la même configuration. Ça c'est bien ça. Ça c'est un peu. Décalage vers Hamza Mendil. On peut revenir un peu sur le jeu. Il faut du mouvement autour pour qu'il puisse sortir. Bah, là. On voit vraiment que l'équipe marocaine ne s'affole pas. Bah, ils essayent de mettre le pied sur le ballon. Et il faut plus de mouvement. Aïe, passe latérale. Alors, on sait qu'elles doivent être assurées ces passes latérales, sinon ça peut être très dangereux sur le compte. Oui, les passes, oui. Ça fait une ou deux lignes qui peuvent se faire éliminer sur une perte de balle. Mais alors à la différence du match d'hier, hein, on sent que voilà, l'équipe du Maroc semble beaucoup plus en confiance. Hein, dans prise de balle et moins dans l'explosivité peut-être, et on sent peut-être qu'elle va maîtriser ses temps forts et ses temps faibles. Et hier on avait l'impression qu'ils jouaient tous à peu près sur le même rythme.
Ben là, il ne faut pas oublier que c'est le dernier jour du stage, donc l'accumulation, avec la charge de travail qu'ils avaient durant toute la semaine. Ils ont fait aussi un match amical contre Stade Malherbe de Caen, les U19 du Stade Malherbe. Et je pense aussi que tous les gamins qui sont là, tous les joueurs qui sont là, ben, ils ont envie de prouver aux sélectionneurs, à la nouvelle DTN, qu'ils méritent leur place. Et le fait d'avoir un super but. Alors, un très joli but de Morsley, joueur d'Agadir, sur une belle frappe des 25 mètres. Qui a surpris la défense. Ouais, j'appelle ça une frappe masquée. Voilà, donc je pense que le gardien n'a pas vu le départ de la balle. Donc ça fait 1-0. 1-0 pour l'équipe nationale du Maroc. Très beau but. N'inquiétez pas, hein, je rate pas les buts, hein, c'est juste mettez le score. Oui. J'aurais pu vous dire comment le faire, comme ça vous l'aurez fait pour moi. Parce que là, je peux faire le mettre le score et finir en même temps, ouais, c'est bien. Ouais, super centre. Bah, c'est un beau but, hein, comme on disait, c'est une belle frappe masquée du pied gauche. C'est très difficile. Bah pour les gardiens de lire, hein, ce type de frappe. Ouais, il est masqué par sa défense, voilà. Il ne voit pas le départ du ballon, donc il est surpris à la fin. Rappelons que l'équipe marocaine évolue en 4-3-3 avec un triangle du milieu pointe vers le haut, donc un 10 et deux milieux défensifs qui sont Regragui et Sahi. Très belle percée du joueur et le gardien. Le gardien Cetré qui capte ce ballon. Belle occasion pour marquer pour les Gabonais. Mmh. Il faut être vigilant. L'équipe gabonaise évolue en 4-4-2 avec un strict sur Regragui, le numéro 13. Qui fait un strict sur Regragui, le numéro 6 marocain. D'accord, pour lui éviter les relances. Exactement, ouais. Bah, c'est le point de départ. Donc ils essaient carrément de couper un petit peu cette relation défense-attaque. Il y a un petit vent de côté, un petit vent de face pour côté marocain. Ce qui peut justement gêner un peu l'évolution. Les passes longues, justement. On voit hein, le Gabon qui a réagi très rapidement hein, suite au but. Il s'est procuré une occasion. Intervention de Regragui. Il continue à harceler le porteur. Après, il faut que ça compense de l'autre côté. On voit vraiment que l'équipe marocaine ne s'affole pas, mais après, l'équipe gabonaise n'est pas un gros pressing. Donc, ils se mettent un petit peu en bloc et ils essayent de couper un petit peu les lignes de passe. Mais heureusement pour nous, il y a une bonne circulation et une bonne gestion de ballon, des phases où on peut une possession. Peut-être que le Gabon ne veut pas faire un pressing trop haut parce qu'ils ont peur de se faire contrer vu la technicité de l'équipe marocaine. Voilà, si le pressing est mal effectué, c'est plusieurs lignes qui sont éliminées et ça peut être danger. Après, il y a un bon point d'ancrage, un bon point d'appui, le numéro 9, Jay,
celui de l'Oseka. Là, pour le moment, il a gagné quasiment tous ses duels aériens, bah, vu sa taille. C'est un bon point d'appui. Donc, le fait de maîtriser le ballon derrière et essayer de trouver des lignes de passe et jouer la profondeur, c'est un ensemble qui peut permettre aux Marocains de bien gérer ce match. Rappelons que le capitaine de l'équipe, Mouadr Anas, il a fait partie de l'équipe nationale U15 et U17 qui a fait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique U17 contre la Guinée. Et c'était aussi le capitaine de cette équipe-là. Donc c'est une bonne chose. Belle frappe. Belle frappe. Ah, deuxième but. Deuxième but. Deuxième but. Là justement, de l'équipe vous du Maroc sur une très très belle frappe sur coup franc du latéral droit à la main. Super bien tendu. Et l'attaquant qui a suivi. Voilà l'attaquant, le numéro 9 qui a suivi et qui a pu mettre ce deuxième but pour l'équipe nationale du Maroc. Alors on voit que les Gabonais sont pas bien rentrés dans leur match. C'est dommage. Pourtant, ils ont eu une occasion tout de suite après le premier but. Ils n'ont pas su en profiter pour revenir dans le match. Oui, mais c'est la difficulté. Mais... il faut rester vigilant après avoir marqué un but pour l'équipe du Maroc. C'est qu'il faut rester vigilant, il faut rester concentré pour ne pas justement subir très rapidement des occasions de l'adversaire. Exactement. Hein. C'est, pour rappel, l'équipe du Maroc hier a joué contre Caen. Et a gagné 5-1, et justement, il a gagné 5-0. Et c'est dans les arrêts de jeu que Caen a sauvé l'honneur, comme on dit. Donc, même si il y a eu 5-0, voilà. Il faut rester concentré sur son sujet jusqu'à la fin. On voit vraiment que les attaquants ne rechignent pas quand il s'agit de faire des efforts défensifs. Ils ne rechignent pas. Canis, le numéro 11. Ouais, qui vient d'Italie, c'est peut-être une tradition il là-bas. Il évolue en deuxième division en Italie. Et c'est sa première sélection, sa première apparition. Je parle du stage, chez les Marocains. Donc ça prouve que lorsqu'on est Marocain, on a envie de se défoncer pour ce pays-là. Exactement, c'est même lui qui marque contre l'opposition. Exactement, contre l'Orient. Alors l'Orient et contre le Maroc. Contre l'opposition Maroc à Maroc B. Ouais. C'est un très beau but d'ailleurs. On voudrait aussi juste passer un petit bonjour. Oui. À tous nos collègues de l'Académie Mohamed VI. Ah bah oui. Qui doivent nous regarder en ce moment. Bon bah super. Vous leur direz qu'il fait beau ici. Oui, on a été surpris d'ailleurs de voir du soleil à cette période-là de l'année en Bretagne. Exactement. Moi, je me pince de temps en temps pour me dire est-ce que je suis en Bretagne ou pas. Voilà. Parce qu'on a des collègues bretons, c'est pas ça ce qu'ils nous racontent. Alors, est-ce que vous pouvez me... Voilà, on voit que là, le Maroc maîtrise le ballon, mais... bon, il n'y a pas trop de danger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, me parler de cette académie Mohamed VI ? Parce qu'il y a beaucoup d'académies qui se créent en Afrique, mais là, une académie avec la caution royale, c'est quand même énorme. Non, c'est pas que la caution royale, en fait. Elle a été c'est Sa Majesté qui était à l'origine, justement, de la création de cette académie. D'accord. Donc elle est là en fait, elle a été mise en place justement pour servir de locomotive au club et au nouveau centre de formation pour justement cette formation qui était souvent décriée au Maroc et qui ne produisait plus de joueurs aptes à jouer au plus haut niveau. Donc elle a été créée en 2009 par Sa Majesté avec comme directeur M. Nasser Larguette qui est aujourd'hui directeur technique national. Ce qui est, on peut dire, une suite logique. Oui, c'est une suite logique dans sa carrière et puis c'était le plus à même après avoir fait le... Super passe de Mosley, un endive de Canis. Oh.
très bon débordement. Superbe action des Marocains. Super passe de Morsli qui arrive à casser les lignes et trouver Canis en mouvement et qui fait le travail en un contre un. Donc pour revenir à l'Académie Mohamed VI, donc on a 80 pensionnaires. Voilà, c'est des U13 jusqu'au U19. Donc ils sont hébergés, nourris et puis qui s'entraînent au quotidien. Et le recrutement se fait uniquement sur le territoire marocain. Sur le en fait, c'est au départ, oui, c'est ce qui a été fait. Maintenant, on peut recruter des Marocains qui évoluent à l'étranger. Mais la condition est vraiment d'être marocain. D'accord. Oui, ben, ça, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est d'être marocain, oui. Mais est-ce que, par exemple, il y a des Marocains issus de pays africains ou des pays limitrophes ou assez uniquement que sur le territoire? Non. Pour le moment, enfin, on a vu qu'un cas l'an passé, mais qui n'a pas confirmé, en fait. C'était un binational. D'accord. Qui était recruté en fait en France et puis qui n'a pas pu continuer avec nous l'aventure. D'accord. Sinon la quasi-totalité des joueurs actuels sont nés et habitent au Maroc. D'accord. Mais c'est pire qu'un centre de formation, quoi. Tu m'as dit 80-90 pensionnaires. Ouais. C'est énorme. Partagé en quatre groupes. D'accord. Quatre groupes, les U13, les U15. U17 et U19. U17 et U19. Sachant que la prochaine promotion qui va sortir de l'académie, c'est la promotion 97, dont évoluent 5 gamins qui font partie du 11 du départ dans ces trios de gardiens. D'accord. Qui est très fort d'ailleurs. Hein, il a fait la Coupe du Monde U17 aux Émirats. Donc, comme j'ai dit, c'est une confirmation. C'est une confirmation et on sait que le salut passera par la formation. Parce que avant le football marocain, il s'appuyait sur le football de rue. Et avec l'apparition de l'académie et certains centres de formation qui bossent au Maroc, on voit que les locaux peuvent tirer leur épingle du jeu et produire des joueurs qui peuvent devenir des joueurs de sélection, des joueurs internationaux. D'accord. Et ça, ok pour les sélections nationales de jeunes et tout, mais par exemple, les joueurs qui sortent de l'académie après leur saison en U19, ils incorporent la plupart des clubs professionnels marocains ou ils partent sur le continent africain. Comment ça se passe ? La plupart des joueurs, en fait, leur destin est différent. Vous savez que les centres de formation, oui. Les centres de formation professionnels, ils produisent 2 ou 3 joueurs maximum par an. Le taux de réussite ou le passage vers le monde professionnel, il est tellement minime que c'est la sélection naturelle. On choisit les meilleurs, les gens veulent recruter le meilleur. Et oui. Nous, dernièrement, pour la promotion 96, il y a 2 joueurs qui sont partis à Almeria. Ils sont en train de poursuivre leur post-formation à Almeria. Il y a un autre qui a intégré un club professionnel au Maroc, Naïf Agueld, qui joue maintenant, c'est un titulaire à part entière avec les seniors du FUS de Rabat. FUS de Rabat, il fait partie du 11 du départ et il est néo-international avec les U23. Voilà. D'accord. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la première génération qui a fait tout le cursus, c'est celle-là qu'on voit en ce moment ici. D'accord. Donc c'est celle-là qui va nous donner en fait, le résultat du travail qui a été effectué. Est-ce que ces gamins-là iront dans des clubs professionnels? Est-ce qu'ils joueront au Maroc? En tout cas, on sent bien le lien, la cohésion, on sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble en France. Ils ont vécu avec nous 6 ans. Donc voilà, c'est leur dernière année et on espère pour eux le meilleur. Ouh là là, encore une tête de Regragui qui passe à quelques centimètres du poteau gauche du gardien de but, poteau droit. C'est une belle tête décroisée. Oui. Alors on m'a toujours dit que les têtes croisées, c'est plus facile que les décroisées. Je pense qu'il a été leurré par la détente de son coéquipier. Je pense que s'il avait
la trajectoire de balle, bah, il fallait traverser le ballon et chercher le poteau opposé. C'est plus simple. Donc pour nos amis bretons qui nous regardent, on peut leur dire qu'on a un éducateur avec nous qui est breton. Ouais. Voilà, c'est le fils du bien connu Guy Lacombe. D'accord. Voilà, Romain Lacombe qui est avec nous, qui est breton pure souche. D'accord. Voilà, qui doit être content que l'équipe nationale, que certains de ses joueurs qui sont avec nous à l'académie jouent ici. D'accord. Et il est avec vous depuis le début de l'académie, il vous a rejoint? Non, il a intégré, je pense, il y a 4 ans. D'accord. Okay. Ouais, il y a 3-4 ans. Bon, ça va, il est bien là-bas. Oui. J'en doute pas. Doute pas pour lui. Il y a certains des joueurs qui ont voulu là tout de suite en sélection, qui étaient champions du Maroc U15 avec lui, dans Mziane, Mziane Saad Mziane, et Alama, Gragui. Quasiment tous les 97, ils étaient champions avec lui. D'accord. En minime, U15. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme autre question. C'est les U19, après, ils essayent d'incorporer des clubs professionnels. Hein, on a vu que c'est le cas pour certains. Mais après, voilà, en U15, U13, les autres catégories, comment ça se passe? Vous faites des championnats? Oui, il y a un championnat du Maroc. On fait le championnat du Maroc. U15 et U17 et U19, les trois catégories ont le championnat. Vous êtes considéré comme un club, quoi? Oui. Comme un club qui n'a pas une équipe senior. Voilà. On joue contre tous les clubs connus du Maroc, le Raja de Casablanca, le WAC, les Phares, le FUS de Rabat, enfin tous les gros clubs. Et puis on joue avec eux le championnat. D'accord. Donc c'est dans ces trois catégories. Depuis cette année, avec la DTN, la nouvelle DTN, ils ont créé le championnat de ligue U13 et U11. Donc nous avons nos petits Benjamin Pupi qui joue ce championnat U13. Et c'est un championnat national? Oui, c'est un championnat national. Ah, oui. Ça existe. Donc ça fait beaucoup de voyages, tout ça. C'est en fait chez les jeunes, le championnat national est coupé en zones. Voilà, en fonction des zones. De ligue et en fonction des zones, chaque club fait belle frappe à Nice, touché par le défenseur. On joue d'abord en zone, ensuite les deux premiers de chaque zone se qualifient pour les phases finales. D'accord. Voilà, donc la zone, en fait, c'est une région, on n'a pas trop de kilomètres, hein, c'est en moyenne 100, voire 150 kilomètres à faire. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas trop chargé pour les bambinos, quoi. Parce qu'on sait que dans le foot professionnel, le trajet, c'est compliqué, il y a beaucoup de trajets à faire. Et tout est pensé des fois pour la récupération, quoi. Bonne intervention de Hamza Mendil devant l'attaquant. On est un peu désolé, on ne parle pas trop des joueurs gabonais. On n'a pas communiqué la liste. J'ai demandé à un dirigeant de gabonais de m'emmener quelqu'un pour pouvoir consulter avec vous. Donc il était plus occupé pour s'occuper sur les réseaux sociaux, donc il s'en excuse, de toute façon on voit le match et s'il se passe quelque chose... Pas de problème. Voilà, on va analyser. Je sais que moi je les ai vus jouer, ils ont une équipe qui est très intéressante et on voit, c'est ça aussi... Quand j'en parlais encore hier à table, de l'identité de jeu, on voit que c'est pas du tout le même style de jeu entre le Maroc et le Gabon. C'est quelque chose de plus puissant du côté du Gabon et plus direct. C'est une nouvelle nation forte du foot, du foot africain. Mm-hmm. Entre les Aubameyang, c'est un pays qui travaille. Ah. Pour preuve, des jeunes qui viennent faire des tournois aussi. Et puis ça va faire leur deuxième Coupe d'Afrique en quelques années. Ils en avaient fait une déjà en tant qu'organisateur. Juste pour corroborer ce que tu dis, moi j'ai filmé le match Mali-Gabon, et c'était une belle victoire du Gabon avec un doublé ou un triplé d'Aubameyang. Oui. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est une belle nation du foot, mais. Africain, mais on voit que c'est pas du tout le même style de jeu et
Et je suis content de voir ce genre de choses pour éviter de rentrer dans un trop gros formatage du football, et que c'est bien que chaque personne ou chaque nation garde un peu sa particularité, quoi. Tout en cherchant à progresser. Oui, tout à fait. Sur la phase précédente, il y avait un super mouvement des trois milieux, beaucoup de mouvements. Ils essaient de créer un petit peu l'espace pour avoir le ballon. On voit beaucoup, beaucoup de mouvements. Sahi, Rgragi, et le bon travail de Canis. Canis encore, ouais, qui fait beaucoup pas, les efforts. Qui hein, pas. C'est important, surtout dans un 4-3-3. Hein. Si les joueurs de couloir font pas les efforts, c'est très compliqué. Hein. Exactement, exactement. Donc pour rappel, hein, ce rassemblement s'achève. Hein. S'achève voilà, à l'issue de ce match. Donc les deux équipes vont rentrer, comme on dit, au Bercail, hein, à la maison. Donc là, c'est quoi? C'est retour au Maroc directement. Là pour la sélection. Et on libère. À l'issue de ce match, c'est retour au Maroc. Oui, c'est retour au Maroc. On libère et puis, les Européens. Et puis c'est des gamins qui ont les phases finales justement de cette. De ce championnat national, donc ils vont réintégrer leurs clubs respectifs pour préparer pour ceux qui sont qualifiés les échéances, la future échéance qui sont les phases finales du championnat du Maroc. D'accord. Et pour oui. Et en plus pour la sélection justement, quelles sont les échéances là Je ne les connais pas du tout par contre. Il faut voir ça avec Monsieur Larguette, le directeur technique national. C'est lui qui peut vous renseigner sur justement les futurs stages ou les futures concentrations. Mais je pense qu'ils vont les multiplier, ces concentrations, au moins pour les nationaux au Maroc, et puis éventuellement faire venir les binationaux au Maroc une fois de temps en temps pour les juger, les revoir et les. Alors sincèrement, je sens que y a une inversion un peu au niveau des choix des binationaux. C'est-à-dire que souvent on préfère l'équipe où on vit, enfin la nation où on vit. Et là j'ai l'impression, quand je vois ce rassemblement-là, qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix de revenir sur la patrie de ses parents. Oui, on espère même parce qu'il est quand même dommage que le Maroc ne fasse plus partie des grandes nations et qu'ils n'apparaissent plus depuis un moment déjà dans les grandes compétitions comme cette comme en Coupe du Monde. Bah oui. Et ça passera forcément par justement ce choix que feront les meilleurs binationaux de venir ou pas en équipe nationale. Disons pour renforcer justement ces nationaux qui ont comme on le voit aujourd'hui, hein, qui ont du talent, qui ont du potentiel, et puis l'équipe nationale est. Et les portes de l'équipe nationale sont grandes ouvertes pour bien tout sûr, Marocain apte à jouer pour elle. Voilà, s'il y a possibilité de ramener une petite touche de technicité en plus, ou physique en plus, dans cette équipe, tout est positif, quoi. Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est vu ce qui est en train de se faire au Maroc par rapport à la formation, on voit que sur l'équipe qui sort de ce rassemblement, il y a 90% des joueurs qui sont des joueurs locaux. Hein, et après, comme dit Coach Hamadi, c'est les meilleurs qui doivent intégrer l'équipe nationale. Mmh. Que ce soit des locaux ou des joueurs évoluant à l'étranger, ça reste des Marocains et ça doit rapporter à l'équipe marocaine. C'est pas parce qu'on évolue à l'étranger qu'on a sa place à l'équipe nationale. Exactement, là. C'est le sport ou le foot. C'est le résultat. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. C'est le résultat qui finit par parler. Il faut ramener les meilleurs pour qu'on soit les meilleurs. En tout cas, le projet est en marche, là. Voilà, donc ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place, gentiment. Et puis là, ça travaille. Ça travaille. Même nous, au Maroc, on sent cet engouement, cette nouvelle ferveur par rapport au travail qui commence
j'espère donner ses fruits. Et... Bon, en plus, franc mal tiré par Samizian. C'est marrant parce que c'est un super tireur de coup franc, bah, quand même une bonne patte gauche. Ça arrive. Là, je suis en train de faire un insert sur l'attaquant du Maroc de l'OCK, qui a un gabarit assez atypique. Hein, justement, il me fait penser un peu à Marwan Chama, qui voilà, à une époque, est un super grand joueur et qui s'est, numéro 9. Voilà le numéro 9. Un joueur oui, assez il est un peu longiligne. Longiligne, besogneux, ouais. Un faux lent. Voilà. Il faut mettre la pression. C'est... L'équipe gabonaise qui tarde à sortir le ballon, qui met beaucoup de temps à se trouver. Il n'y a pas assez de mouvement pour trouver des passes et traverser les lignes. Donc à chaque fois, bah, par rapport à la pression que leur mettent les Marocains, bah, ils arrivent à récupérer le ballon. Il y a un joueur de l'académie qui a le même profil un peu que le numéro 9 qui n'a pas pu venir parce qu'il s'est blessé juste avant, pendant le dernier stage, juste avant de venir. Donc c'est un peu le même profil, grande de taille, super puissant, très très bon de la tête, qui s'appelle Youssef Nassiri. D'accord. Et donc qui aurait dû être là aussi, et c'est un peu le même profil. Ouais, de toute façon, il y aura d'autres matchs, d'autres rassemblements. C'est à l'image de toute sa première mi-temps. Bah, Canis, il fournit un super effort pour, dans ce repli défensif. C'est, pour le moment, bah, il fait un bon travail. Donc l'équipe gabonaise qui évolue maintenant en 4-1-4-1 avec le 6 qui fait une prise en charge de notre numéro 10, Morsley, capitaine d'équipe. On voit quand même que le Maroc, on sent qu'il se contente un peu là de ce 2-0 sans vraiment trop forcer, continuer à accélérer. Ce qui est regrettable aussi, c'est que cette équipe du Gabon qui n'a pas haussé un petit peu le niveau, on voit un petit peu, et rechigne à, ils ont du mal à trouver des passes, là c'est une interception de Gladi. Mais ça, c'est par rapport au travail mené par la ligne offensive. Donc, les deux attaquants, le numéro 10 et l'attaquant axial. Et je vois ça aussi, c'est une marque de fabrique hein, du Maroc. Hein. J'ai vu à Montaigu j'ai surtout vu ça en place à partir de deuxième match. C'est le pressing haut. Le pressing haut sur les porteurs de balles adverses pour les empêcher de jouer. Et ça a super bien fonctionné contre le Brésil et la Belgique. Et c'est vrai que c'est pas facile si une équipe en face a du mal à remonter le ballon avec un pressing haut, ben voilà, on sait plus trop quoi faire. Ben, la formation, ça sert à ça aussi, c'est rendre les super frappes de Mzian ou para du gardien. C'est en fait, la formation sert à ça aussi, c'est que ramener un joueur dans un projet de jeu et le rendre utile pour l'équipe. C'est partir du joueur vers le collectif. Et si on ne suit pas un cycle de formation, ça serait un petit peu difficile de se mettre dans cette mentalité-là. Ballon. Le plus compliqué en fait dans la formation, c'est le joueur marocain a en général une technique individuelle plus que correcte. Oui, au-dessus de la moyenne. Voilà, au-dessus de la moyenne. Je suis d'accord. Voilà, c'est vrai que. Donc à partir de là. Il y a du potentiel. Maintenant c'est les techniques collectives justement qui fait défaut.
Bon, gestion de profondeur de Mriez. La bonne remontée de balle, il y a des possibilités là. Non, c'est Maka qui prend intérieur après libération du couloir. De... Oui, mais voilà, sur ce que tu disais, bah oui, c'est compliqué. Hein, quand on a beaucoup de joueurs qui sont techniquement au-dessus de la moyenne, bah, ils ont tendance à garder le ballon et c'est difficile de jouer en équipe. Et c'est justement notre rôle en tant qu'éducateur, justement, d'amener cette rigueur collective. Et puis cette efficacité en fait. Corner pour l'équipe du Gabon qui commence petit à petit à sortir un peu. Après, bon, c'est sûr que voilà, l'équipe du Gabon c'est. A fait ce stage avec un effectif beaucoup plus réduit, hein, de 17 à 18 joueurs. Donc peut-être que là, les organismes sont un peu touchés là, sur cette fin de stage. Hein. On voit que l'équipe du Gabon, bah, il veut sécuriser un petit peu parce qu'ils étaient à 4 contre 1 derrière sur une phase offensive. Donc, Alors qu'ils sont menés. Alors qu'ils sont menés. Ouais, c'est plus. Bon, Mriez, on lui parle pas, mais il s'en sort bien. Pourquoi pas, hein, faut essayer. Mais oui, on voit une équipe du Gabon que quand elle se projette un peu vers l'avant, peut être dangereuse. Donc il faudrait qu'ils multiplient en fait ce genre d'action s'ils veulent revenir un peu dans le score. C'est vrai, il faut trouver ses attaquants, hein. C'est pas facile avec ce milieu de terrain très dense marocain. Coup franc pour l'équipe du Gabon. Mais comment ça se passe alors au niveau des complexes là dans l'académie Mohamed V, est-ce que vous avez aussi des terrains synthétiques, différents types de surfaces, terrains d'herbe ? Oui, en fait on a deux entités. On a l'école de foot, c'est pour le loisir. Et puis on a la première entité, c'est l'académie Mohamed VI, où justement ces 80 gamins qui ont été choisis sur leur potentiel et sur tout le territoire, sur leur potentiel footballistique. Et là, on a deux terrains synthétiques. Un terrain couvert qu'on appelle la fosse. C'est une moitié de terrain, en fait, qui est couverte, entourée d'un mur. On a un terrain stabilisé. Stabilisé ? Oui, oui. Ah. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs marocains n'ont pas justement la chance d'avoir des terrains en herbe ou en synthétique. Ça coûte cher, hein, l'entretien. Donc voilà. Donc on nous arrive souvent de jouer justement sur des terrains stabilisés. Ce terrain-là nous permet justement, avant ces gestions-là, de pouvoir faire quelques entraînements, histoire de s'habituer un peu avant d'aller jouer. Voilà, et puis il faut multiplier un peu les surfaces. C'est une autre façon de jouer qui justement amène une autre corde à l'arc de ces joueurs. D'accord. Ah, donc vous avez vraiment tout type de surface, quoi. Oui, oui. Donc on a aussi un terrain pour tout ce qui est coordination, appui. Est-ce que vous faites un peu comme toutes ces nations, vous partez à l'étranger, voir ce qui se fait pour peut-être prendre déjà les joueurs, on a chaque catégorie fait au moins un voyage à l'étranger par an. Donc nous avons pour cette année l'équipe des U15 qui est partie en Belgique.
l'équipe du U17, des U19, pardon, avec ces joueurs-là, est partie faire une tournée en Espagne. Et l'équipe des cadets qui a fait une tournée en Normandie. Donc l'équipe du U13 avec laquelle je suis, on va être le 13 mai au tournoi international de Plomelin. D'accord. Donc on sera pas trop loin. Pas loin, ouais, c'est pas loin. Ouais. Ouais. Ah, c'est un donc gros tournoi. 13, ça. Ouais, ça fait ça va faire la troisième fois qu'on y participe avec cette catégorie-là. Donc ça nous permet justement de jauger notre niveau par rapport à ce qui se fait ailleurs. Bien sûr. Et donc ce tournoi de Plomelin en particulier que je connais bien parce que je l'ai fait deux fois avec cette catégorie-là, ben, nous permet justement d'avoir des confrontations avec des nations différentes. Donc on joue contre des clubs anglais, des clubs français, des clubs hollandais. Donc je vais pas donner mon âge, mais moi voilà mon époque où je faisais des tournois, c'était plus pour nous occuper quoi. Voilà, oui. pour nous occuper. Aujourd'hui, maintenant, des tournois de ce niveau-là, c'est vraiment c'est une compétition quoi. Ah oui, c'est une belle compétition. On sait où on en est. Si on finit troisième, c'est que voilà, on est de niveau. Voilà, c'est plus la même chose. En plus de l'expérience sportive, il y a l'expérience humaine aussi pour ces gamins qui, pour première fois en général, sortent de leur pays, voient des cultures différentes, voient des gens d'horizons différents. C'est très important. Donc voilà, l'aventure humaine est tout aussi importante que l'aventure sportive. Bon coup franc d'approche là pour le Gabon. Pardon ? Bon coup franc d'approche pour le Gabon. Oui, ça oui. peut peut-être permettre de réduire le score avant la mi-temps. Oui, coup franc très dangereux. On voit pas mal de coups francs pour la sélection gabonaise sur ce côté-là. Et par contre, il y a une super défense de Gregui, de Canis et tout, qui multiplie les efforts. Là, une énième récupération de Gregui qui fait un grand match. Qui se projette. Propose. Bon ballon. Passe extérieure, bon ballon. Manque de vitesse pour Saad. On voit que la sélection marocaine, elle a pas mal de cordes à son arc. Oui, complètement. Il y a des contre-attaques. Et on voit qu'il pose le jeu. Donc, après, moi, je suis déçu un petit peu par la sélection gabonaise qui ne met pas de pression, qui n'oblige pas les Marocains à mettre du rythme. Front à deux. Okay. C'est la mi-temps. Alors, messieurs, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Hein, oui, bien sûr. Okay. Et comme ça, on va se retrouver pour le début de la seconde période. En tout cas, merci pour les commentaires. Ça nous a fait plaisir de remplacer notre collègue Ahmed Chouari. Deuxième mi-temps avec l'équipe du Maroc qui n'a pas fait de changement. Donc je suppose que le coach va en faire Au tout à l'heure. De la période, ouais. Mais on repart avec les mêmes joueurs. À un côté du Gabon, j'ai pas trop fait attention aussi s'il y a eu du changement ou pas. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils sont venus avec d'autres intentions. Parce que malgré leur défaite sur le premier match de 0 contre Rennes, ils m'avaient fait quand même une belle impression. Hein. Ils avaient perdu 2-0 alors qu'ils ont raté deux pénaltys. D'accord. Le numéro 11. Le numéro 7 avait fait un super match avec son crochet extérieur pied gauche. Et leur numéro 6 devant la défense était omniprésent de par sa relance et son agressivité sur le porteur. Maintenant, comme je le disais, leur effectif est assez réduit, 17-18 joueurs.
Et peut-être que là, lors du troisième match, voilà, ils ont peut-être plus grand-chose dans les jambes, mais bon, c'est pas une raison. On voit que les Gabonais sont rentrés avec des nouvelles intentions, donc ils essaient de presser haut, mais heureusement que les Marocains arrivent à s'en sortir. Qui se débarrassent du ballon, ils veulent pas, ils n'ont pas d'argument pour mettre les pieds sur le ballon. Et comme en première, bah, les voilà. Marocains essaient de sortir. Il n'y a pas trop de mouvement. Partir de derrière. Là, il y a le... C'est toujours, il n'y a pas de pression, c'est l'ailier gauche qui rentre intérieur et qui décale le latéral gauche. Bon centre de Nouadel. De Maka, Hamza Mendil, sur une bonne combinaison avec le rentrée de l'ailier qui libère le couloir pour le latéral gauche. Mais il n'y avait personne au deuxième. Alors Canis, hein, ce joueur, hein, il est très intéressant quand même, hein, dans la percussion. Très intéressant, dans... rapide, il remplit, ben, c'est un profil ailier. Cool. Après, ben, c'est ses premières apparitions avec l'équipe nationale. Ce qu'il fait jusqu'à maintenant, ben, il ne rechigne pas à fournir des efforts défensifs. Devant, ben, il est à droite, rappelons qu'il est sur deux buts, il reste sur deux buts, un but contre l'Orient. Et un but contre, pareil, l'équipe nationale, lors de la confrontation entre les locaux et les nationaux. Les locaux et ceux qui viennent de l'Europe. L'étranger. Ouais, de l'Europe. Donc, c'est une belle pioche à suivre. Il faut qu'ils confirment pour les échéances à venir. Alors juste... On voit que les Marocains ne laissent pas les Gabonais prendre de la confiance, bah, ils pressent haut, mais à chaque fois, bah, on voit que il y a deux lignes chez les Gabonais avec une ligne médiane qui est vraiment large par rapport. Il y a de l'espace entre la ligne médiane et celle de la défense. Mendil Hamza qui déborde et qui arrive à contourner un petit peu le défenseur qui fait faute. Donc je vois que après je ne vais pas rentrer trop dans la tactique pour ne pas dévoiler aussi le travail de Maroc, mais je vois que Kani justement est gaucher, joue à gauche, 4-3-3. Est-ce que maintenant on sait que la mode maintenant c'est que les gauchers jouent à droite et les droitiers jouent à gauche. Alors Kani, je le vois pour l'instant joue à gauche et de temps en temps il permute à droite, mais il est plus côté gauche pour les centres. Ouais, mais je pense que c'est peut-être une question d'efficacité. Il est peut-être plus efficace en étant sur son côté gauche. Il a plus ses repères. Mm-hmm. Ensuite, ça viendra. Peut-être qu'il pourra permuter. Rappelons aussi que le 4-3-3 proposé par l'équipe marocaine, on a un avant-centre qui a gagné quasiment tous ses duels aériens. Donc le fait de placer Canis sur son bon pied, c'est centrer, demander ouais. des centres. Et après, bah, c'est à l'attaquant d'être présent et être dans le tempo, dans le avoir le timing pour exploiter les centres de Canis. Il y a aussi Mendil qui peut dédoubler. Donc le fait de mettre Canis sur son bon pied, bah, moi ça ne me dérange pas. Même si la mode. Très beau centre, mode, c'est jouer sur son mauvais pied. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de mouvements parce que là, on voit l'attaquant, l'avant-centre qui prend le côté et il y a directement le 10 qui se projette, qui prend sa place et Canis qui part de l'autre côté. Donc il y a une certaine envie de fournir des efforts.
qui semblent parfois gratuits, mais qui sont efficaces. On voit aussi ça, l'attaquant qui fournit beaucoup d'efforts défensifs et qui vient compenser et remplacer le poste laissé vacant par Mosley, qui a été à l'origine de la dernière attaque. Là, c'est la preuve, il tacle pour récupérer le ballon. Donc, c'est des bonnes mentalités pour faire avancer ce chantier. Alors, c'est aussi une particularité de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que le joueur marocain voilà, a une technique un peu au-dessus de la moyenne, mais aussi il a une certaine agressivité aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement la technique, le beau jeu, mais voilà, il y a de l'intensité et de l'agressivité. Bon, quand je dis agressivité, c'est dans le bon sens du terme. Hein. Je pense que les exigences du football actuel, c'est d'abord quand on est attaquant, savoir défendre, et quand on est défenseur, savoir attaquer. Et puis le fait de fournir ses efforts, d'être agressif pour essayer de récupérer les ballons, c'est justement le béaba du footballeur moderne. C'est nécessaire. Voilà. Sinon, c'est encore plus vrai quand vous jouez dans les compétitions africaines, où là vous avez vraiment des gabarits et puis des physiques où le jeu n'est pas forcément très tactique ou très, très technique, où justement cette combativité fera à un moment la différence dans les joutes africaines. Mmh. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on voit cette volonté de défendre ensemble, ouais, cette volonté de fournir les efforts. Voilà, et l'équipe gabonaise, elle est asphyxiée, parce qu'elle est coupée en deux. Et là, on revoit le Panis qui a du mal à cadrer. Encore une occasion. Mais c'est toujours les Marocains qui se projettent rapidement, juste après la récupération de El Gragui, qui fournit un super travail, qui bénéficie aussi du travail des attaquants. Et lui, derrière, il récupère. Bon, là, c'est sur cette première mi-temps et voilà ce début de deuxième période. Bon, on sent que voilà le numéro 6 marocain, El Gragui, est omniprésent voilà dans la récupération et au milieu de terrain, au cœur du milieu de terrain. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur ce joueur là qu'on découvre nous en tant qu'internautes là? El Gragui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait partie de la promotion 97 qui a intégré l'académie à sa première année, dès la création de l'académie. Donc c'est une prospection qui a été menée sur tout le Maroc avec des joueurs qui ont été observés, analysés. Et lui, c'est un joueur natif de Rabat et qui fait partie, comme je vous ai dit, de la première promotion. D'accord. Champion du Maroc U15 en 2010. Encore une belle occasion pour le Maroc. Hein, dommage, belle intervention du gardien qui a anticipé le centre. Il a suivi ses classes à l'académie depuis ses 13 ans. Et là, il est en dernière année à l'académie. Et l'année prochaine, j'espère pour lui qu'il va intégrer un grand club avec lequel il pourra étoffer ses qualités et devenir un professionnel. Ouais, continuer sa progression. Exactement. En tout cas, l'activité, il l'a sur le terrain, on le voit. Il est tout le temps en train de courir, tout le temps en mouvement, toujours prêt, toujours disponible. Bon ballon, là. Je suis en retard. Donc, une touche de plus, parce que l'attaquant s'est arrêté pour avoir le ballon. Toujours l'abattage de Regragui qui harcèle. Une petite baisse de régime pour Mosley, le numéro 10, mais il n'arrête pas d'alterner avec le numéro 9. Oui, j'ai l'impression que voilà, il bouche les espaces où le numéro 9 il va compenser. Et ça, c'est très important justement de positionner l'équipe, les joueurs un peu dans les espaces vides, parce qu'on sait que la balle va revenir, reviendra dans la zone, quoi. Les joueurs marocains se sont levés pour l'échauffement. Je pense qu'on va connaître les premiers changements dans pas très longtemps. Je suis un petit peu déçu par la sélection gabonaise. On n'a quasiment rien vu derrière. C'est un petit peu techniquement, c'est pas top parce qu'ils ont du mal
à trouver leur, leur milieu rapidement. Et... Ouais, et j'ai remarqué qu'ils n'ont pas trop confiance en leur jeu court. Ils sont à 4 derrière maintenant, sans aucune pression. Ça tourne derrière, ça tourne sans aucune pression. Voilà, c'est compliqué pour que ça mène à quelque chose quand on prend son côté. Il y a aussi un manque de mouvement des milieux parce que il n'y a pas beaucoup de mouvement pour demander le ballon. Mais il ne faut pas enlever le crédit aux Marocains qui mènent un pressing haut et qui mènent à mal sa défense. Mais j'ai senti, sur les premiers matchs, l'équipe du Gabon beaucoup plus alerte, beaucoup plus en mouvement. À la différence comme on disait tout à l'heure pour le tournoi de Montaigu, avec la montée en puissance du Maroc, là, le Gabon, justement, s'est éteint au fil de ce rassemblement. Peut-être aussi, ils ont eu beaucoup de blessés. Hein. Oui, ils ont eu beaucoup de blessés. Il y a leur libéraux. Leur libéro axial qui s'est blessé, ils ont perdu 2-3 joueurs majeurs. Donc après, Oui, je pense que l'accumulation des matchs fait qu'il y a un peu de fatigue aussi pour ces joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts durant la semaine. Ils n'ont pas trop tourné, mais bon, ils peuvent quand même proposer plus parce que les joueurs intéressants comme le numéro 7, le numéro 6 ou leur numéro 11 et numéro 9, on fait un bon début de rassemblement et là sont un peu plus empruntés. Hein. Ah, le numéro 9, il est vraiment esselé. Depuis tout à l'heure, il monte pour presser, mais le fait de se trouver seul, il ne peut pas tout faire. On voit que les Gabonais sont passés à 3 devant. Ils ont commencé le match avec un 4-1-4-1. Et là, on voit que les trois attaquants se mettent devant. Bon, après. Une volonté de remonter le score ou. Juste sur la phase. Toujours le même joueur, toujours le même abattage défensif, la même volonté de récupérer le ballon. Corner pour l'équipe du Maroc là, non ? Ah, remplacement. Remplacement pour l'équipe du Gabon, suite à une blessure du numéro 11, je pense. Oui, c'est ça. Comment ça se passe alors avec la sélection senior, le sélectionneur, le DTN et les entraîneurs font des réunions régulièrement pour dire peut-être que ce jeune en U21, U19, a fait d'un bon parcours, peut-être faire une présélection avec les seniors. Oui, je pense de toute façon que le travail qui a été entamé, comme je vous ai dit, par rapport à toutes ces sélections, c'est qu'on ne travaille plus pour une échéance donnée. On commence à travailler au niveau de la direction technique nationale pour des échéances à moyen et long terme. Donc effectivement, si un jeune est méritant, peut être présélectionné par l'équipe nationale senior. Et puis le fait le plus important, c'est de revenir dans la compétition alors qu'on devait être éliminé pour les deux CAN 2017-2019. Donc tout ça va changer la donne. Le premier emplacement au niveau de la sélection du Maroc, avec l'entrée du numéro 13, Hakimi, qui est arrière droit, je pense, du Real Madrid. Et du numéro 17, et Tigani qui évolue à Brest, donc pas loin. C'est le régional de l'étape. D'accord. Rappelons que Hakimi, c'est un U17, c'est un natif de 98.
et que Tigani va. C'est un 97. Pour le remplacement d'Alama. Et de Canis. C'est ça. Il faut plus de mouvement, Mansli. Ah, bon dédoublement. Il a une bonne vitesse de débordement quand même, hein, Maka. Oui, bah, il a une bonne vitesse, bah, c'est sa qualité puissant, première. Bah, ouais. C'est un beau centre, bah, en plus il arrive à dédoubler. En un contre un, bah, il y a sa spéciale intérieur-extérieur et le centre qui vient derrière, c'est tout ce qu'on demande à un arrière-gauche. Fournir des efforts et être aider son équipe dans les phases offensives. On voit aussi que Gnaghi est présent à chaque fois quand il y a un deuxième ballon, il est là. Il ne laisse pas respirer le milieu offensif adverse. Difficile contre l'intérieur. Et Hamza Sahi qui fournit l'effort. Rappelons que Hamza Sahi faisait partie de l'équipe U17 qui a été éliminé pour lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique U17 contre la Guinée. Et on voit qu'il y a une bonne progression par rapport à ce qu'ils faisaient avec cette équipe-là. C'est le type de joueur qui n'a pas lâché, c'est le type de joueur qui ne lâche pas. Et c'est tout ce qu'on demande à un joueur, à un international. C'est de ne pas lâcher, de continuer à fournir des efforts. Parce qu'on a besoin de ce type-là, de joueur. Très bon ballon là, sur le côté. Un bon renversement de sa dixième. Mais le joueur a été trop intérieur pour avoir le ballon. Toujours cette volonté de fermer les lignes de passe, de couper ses lignes. Cette défense en avançant. Oui. Hakimi un petit peu en retard. Et en restant debout. Mais toujours une compensation, un remplacement de Gnaghi. Qui empêche la passe vers l'avant. Toujours cette course. On voit l'équipe du Gabon dès qu'elle se met à jouer, qui peut être dangereuse. Tout à fait. Après, il y avait des gestes peut-être plus simples à négocier dans la surface. Hein, tenter cette quand reprise. Tu joues en une de touche, le ballon va plus vite, ils arrivent justement à être dangereux. Toujours le même joueur, bah, j'aimerais bien savoir combien de ballons il a récupéré lors de ce match. Mais je pense que c'est considérable. C'est pour un attaquant, oui. Le numéro 6 marocain, c'est. Ah d'accord, je pensais que tu parlais de. Non, le numéro 6, vraiment dans l'entrejeu, c'est lui qui tire son épingle du jeu. Je vois que sur le côté gauche, on n'a pas perdu de vitesse avec le remplacement d'Yanis. Canis plutôt. C'est toujours à la perte, toujours le même joueur, toujours. C'est la sentinelle qui sent le jeu, la sentinelle. Un bon renversement de Mosley. Peut-être anticiper le départ du ballon pour pouvoir être dessus tout de suite à la retombée. Elle était un petit peu haute, il va aller mieux que ça soit un petit peu tendu. Mais je pense qu'avec le vent, la balle est montée un petit peu. Changement pour l'équipe Gabon. La sortie du numéro 10 et l'entrée du numéro 22.
Il y a un autre changement qui se prépare pour l'équipe marocaine. Là, il y a le numéro 19, Maté, le joueur du Raja. Raja de Casablanca, club qui a fait finale l'an dernier du championnat du monde des clubs. Il va remplacer Morsier, le joueur du, d'Agadir. Buteur lors de ce match. On a vu sur ce plan, plan large, hein, que voilà, les lignes marocaines sont bien serrées, bien en place. Les 10 mètres sont respectés. On voit cette volonté aussi d'aller, d'avancer vers les porteurs, vers l'adversaire et l'empêcher de trouver des passes. Alors. Mais là, ce que les Gabonais font tout de suite, c'est ils ne l'ont pas fait durant tout le match. Donc là, ils se repositionnent un petit peu en bloc. Et ils n'ont pas de pression. Ça nous permet un petit peu de sortir tranquillement. Mais ce qu'on aurait bien aimé, c'est que plus de pression pour nous mettre un petit peu en difficulté. Tout de suite, les ballons sont récupérés par l'équipe du Maroc, qui presse très vite à la perte du ballon. Ça fait deux, trois fois qu'on cherche à jouer opposé à côté du sur le jeune rentrant là, et sur l'excentré gauche. Peut-être prendre le temps de faire une passe intermédiaire. On voit que l'équipe gabonaise est coupée en deux. Il y a les quatre derrière et les autres. Donc il n'y a pas une envie de venir demander le ballon et aller chercher. Ah. Très belle action encore du numéro 9. C'est un très bon match. Hein. Avec l'intervention du gardien. Corner pour l'équipe du Maroc. Malgré son gabarit, bah, il arrive à accélérer et il a une vitesse. On sent quand même que cette équipe du Gabon est fatiguée un petit peu. Les joueurs qui tombent ont du mal à se relever. Facile pour le gardien. En lecture de Hakimi. Pareil, la même chose. C'est toujours le même joueur. Bah. Faute contre l'équipe du Gabon. Un petit jaune pour Regragui, on va dire. Voilà, c'est l'ensemble de sa bonne volonté qui a été un petit peu récompensé. Hein. Il a tellement couru. Après, c'est, je pense pas que ce soit par un manque de lucidité, mais bon, plus je pense que y a, par y a son débordement d'énergie. Par excès d'engagement. Voilà, c'est ça. Il y a un excès d'engagement, mais je pense pas que ça méritait le carton jaune parce que c'est, je pense que c'est la fatigue plutôt de l'adversaire qui commence à sentir. Toujours cette volonté des Marocains de récupérer le plus tôt possible le ballon. On ne laisse pas évoluer l'adversaire. Alors quel conseil vous pourriez donner, voilà, si vous pensez pour serait le mieux pour le Gabon dans cette situation-là, c'est de continuer à chercher à jouer au sol ou peut-être plus de mouvement, allonger. Plus de mouvement. On voit que l'équipe gabonaise elle est coupée en deux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quatre joueurs, il y a les quatre défensifs et ceux qui sont devant. Il n'y a pas un qui vient décrocher. Pour demander le ballon ou essayer de contourner un petit peu. Et les Marocains, quand ils viennent
harcelé, bah, il faut chercher son coéquipier le plus rapidement. Coup franc dangereux pour l'équipe du Gabon. Peut-être aussi cette équipe du Gabon a tendance à jouer trop bas vu qu'ils savent qu'il y a du danger. Harceler, ouais. Il y a juste l'attaquant qui fournit l'effort. À un certain moment, il va cramer. Regardez la preuve. Après, on est le 9. Il a fait une pression tout seul. Ça paie. Mais là, ils arrivent à récupérer parce que c'est une faute individuelle. Ah, il faut que le latéral monte du côté marocain. Saad qui pouvait trouver le latéral. Il a choisi la solution individuelle. Pour une action dangereuse. Il y avait plusieurs solutions. Même l'attaquant était seul dans l'axe, un petit ballon de côté. Ça peut lui permettre de se retrouver face au but. Bon, il a fait son choix. Donc voilà, plus de mouvement du côté gabonais. Après, peut-être resserrer un peu les lignes, faire monter le bloc. Sur les phases offensives, il faut vraiment. Il doit y avoir plus de mouvement. Quand nos attaquants essayent d'harceler, c'est pour créer, pour obliger l'adversaire à jouer vite. Et si l'adversaire doit jouer vite, il faut des coéquipiers qui se déplacent entre les lignes, dans les intervalles. Et quand il n'y a pas ça, c'est condamné à la perte. On le voit vraiment, là, c'est la seule solution, c'est balancer. Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement de l'adversaire. Et nous, par contre, il y a juste le numéro 9 adverse qui harcèle. Et souvent, il est pris. Sortie de touche pour l'équipe du Maroc. Remplacement et changement pour l'équipe du Gabon. L'entrée du numéro 14 et la sortie du joueur blessé. Location de protest, il y a Il y a un signe à voir par rapport au nombre de blessés. Quand on a 3 blessés pendant la partie, Ça renseigne sur l'état de fraîcheur de l'équipe. Côté marocain, il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas d'intervention que ce soit de kiné ou de médecin. Donc c'est informateur sur l'état de forme de l'équipe. Et encore, au début du rassemblement, c'était des crampes. Et là, déjà, il y a moins de crampes. On arrive, je pense, à l'heure de jeu, là. Et ça arrive souvent. Et c'est bien, c'est fait pour ça aussi, ces rassemblements. C'est pour se préparer physiquement. Pour aussi repérer les joueurs qui doivent travailler, les joueurs qui sont en bon état de forme. Ce qui est plaisant, c'est voir les joueurs marocains qui ont envie de récupérer dans les pieds. Et ça, ça renseigne sur la mentalité des joueurs. Toujours le pauvre numéro 9 qui va tout seul. Ah, il y a le numéro 11 qui l'accompagne. C'est une première dans cette partie. Et on voit quand les lignes sont très espacées, joueurs, ils arrivent à trouver des brèches. Le problème, c'est que quand l'équipe du Gabon sort un petit peu, essaie d'être offensive, se met très vite en danger. C'est pour ça qu'il faut pousser jusqu'au bout ses actions, quoi. Oui. Sinon, c'est bien compliqué. L'intervention de Cédric. Qu'on n'a pas beaucoup vu. Non. Ça va, il risque pas de prendre froid.
Côté marocain, on prépare l'entrée de Youssfi. Youssfi Mehdi, le joueur de l'académie aussi. Natif 98. Donc, je pense qu'il va remplacer le numéro 9. Il a intégré l'académie en 2010. Donc il a sa cinquième année de formation. On sent que le Maroc a levé un peu le pied hein, et se contente un petit peu de ce résultat. Même si voilà, il récupère des ballons, mais on les sent moins tranchants dans les 30 derniers mètres. Avec l'envie de mettre un but, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une petite baisse de régime avec la sortie de Canis, ouais, qui voilà. Était sur son pied gauche, qui ramenait beaucoup d'activité sur son côté. C'est pas la même chose. Là, c'est rentrée de Brahim Tigouani. Il est sur son mauvais pied. Bah, lui, il essaie toujours de rentrer intérieur. Et à chaque fois, on n'est pas présent devant. On n'est pas présent devant pour combiner, pour être dangereux devant. Remplacement, on disait, du numéro 7, Mehdi Youssfi. Qui va remplacer un autre joueur de l'académie. De l'académie, Saad Mzien, numéro 21. Qui a fait un match correct. On approche pour le Gabon. Combinaison mal effectuée. On sent quand même une différence de physique hein, entre les deux équipes. Hein. On voit là le numéro 9 était face au jeu. On sent aussi la différence technique entre les défenseurs. Moi, le manque de technique chez les défenseurs gabonais ne leur permet pas de trouver leur coéquipier. Surtout ces derniers ne bougent pas, donc ils essaient surtout de se débarrasser du ballon. On voit le numéro 15 sur un ballon facile qu'il peut poser et jouer. Bah, il a préféré s'en débarrasser et dégager. Sans pression, sans rien, il veut se débarrasser de ballon. Il doit rester 10 minutes de jeu là. 10 minutes de jeu. Bon, le match a des baissé de rythme un petit peu. Hein. Oui. Voilà, vraiment, voilà. Ça, c'est bien. Enfin, un ballon, super. Super centre voilà, Youssfi. Super centre de Youssfi. Qui trouve la tête de Tigouani. Qui ne traverse pas le ballon, qui veut toujours croiser. Et là, il était tout seul. Il n'y a personne qui a... Qui a trop croisé sa tête. Je vous ai parlé de la technique des défenseurs, c'est une illustration parfaite. C'est Anas Mouadel qui doit gérer mieux sa profondeur et communiquer plus avec son gardien. À l'encontre des défenseurs gabonais, on voit que les nôtres, ils essaient de sortir le ballon. Une bonne technique individuelle. Je pense que le petit Mriez, le numéro 5, c'est une bonne surprise, d'après les techniciens, c'est une bonne surprise de ce stage. Oui, le latéral droit, propre. Il a été propre. Hein. C'est aussi, les deux font partie des révélations pour ce tournoi, pour l'équipe du Maroc. C'est ce qu'on demande à un défenseur central, d'être propre. C'était l'objectif escompté de ce stage, de ce rassemblement. Et je pense que les prochains stages vont amener plus de joueurs qui
qui seront amenés à aider cette équipe nationale. Et... qui apporteront leur plus. Exactement. Et je ne sais pas s'il y a des tournois bientôt, je crois que tu as peut-être le tournoi de Toulon, non? Oui, le tournoi de Toulon, pour les U23. D'accord. C'est pour les U23 qui préparent les éliminatoires des Olympiades. Des Jeux Olympiques de Londres. D'accord. Non. C'est pas Londres, Non, c'est Rio. C'est Rio. C'est Rio, ouais. Exactement. Et par contre, est-ce que là, cette équipe U18, elle va avoir un tournoi prochainement? Il n'y a pas un tournoi, le tournoi de Rosé ou non? C'est toutes ces équipes-là, elles préparent les éliminatoires pour... En tout cas, des concentrations futures, c'est sûr. Maintenant, au niveau des tournois, Pour cet été, je parle, pour les prochaines échéances. Oui. Les prochaines échéances officielles, ça sera les éliminatoires. D'accord. Pour la CAN U17, U19 en 2017. Ouais, ça va commencer dès septembre prochain, quoi. Oui. Exactement, oui. C'est... Mais on l'a dit le long de ce match, ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est cette volonté de retrouver un noyau solide avant les échéances. Et ça, c'est tout le monde le fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver une équipe cohérente avant les éliminatoires. Changement pour l'équipe du Gabon. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure des changements, le rythme va baisser. Ouais. Sortie du numéro 9, entrée du numéro 17. Ils savent vraiment plus trop quoi faire là, les Gabonais. Je pense que les Marocains vont gérer. Bon, on le rappelle, fin de rassemblement avec l'équipe marocaine qui est venue avec une équipe de locaux et d'Européens. Et là, on a la résultante de ce rassemblement avec un mélange justement de ces joueurs. Et pour l'instant, toujours 2-0 pour le Maroc. On a vu une bonne combinaison entre Etiguani et Maté sur un 1-2. Ils arrivent à effacer le numéro 14. Trois joueurs présents devant. Et comme je vous ai dit, c'est la fin de match, les courses elles vont se faire de plus en plus rares. Changement, sorti du numéro 17. Ouais, il est blessé. Non, je pense qu'il faut donner du temps de jeu à tout le monde. Un peu tout le monde, c'est normal. Comme c'est l'entrée du numéro 15. C'est important de récompenser aussi. Voilà. Numéro 15, j'oublie. C'est pas sur ce stage, quoi. Joubi, c'est un joueur de l'académie aussi? Non, pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez une histoire à me raconter un peu sur ce Maca, là, ce latéral gauche, là, qui est très puissant, physique. On sent que ça doit être quelqu'un de très gentil, parce qu'il s'implique, il s'oublie pour son équipe. C'est un joueur de l'académie aussi? C'est un joueur de l'académie qui a intégré l'académie en 2010. D'accord. Et comme je vous ai dit, il fait partie du groupe 97. C'est un des talents déjà de l'académie. D'accord. Donc on espère. Il a une explosivité. On sent du Roberto Carlos, oui. Quoi. Oui, je pense. Voilà. Je pense que c'est un des joueurs qui va faire. On l'espère, carrière en Europe. D'accord. Donc c'est un futur espoir du football marocain. Mmh. Il est de père ivoirien qui est présent. D'accord. De père ivoirien, de mère marocaine. Mmh. Et donc il est présent, ses parents sont présents avec nous aujourd'hui pour ce match. D'accord. Ses parents habitent la région parisienne.
Mais ah d'accord. Il est né. Il a passé toute son enfance au Maroc. Hein, d'accord. C'est un Kazaoui pure souche. Voilà. Il est de Casablanca. D'accord. Parce que là, on l'a pas trop vu, on n'a pas vu trop vu en action, mais. Très belle combinaison des joueurs marocains. Centre. Un beau lift qui trouve Youssefi. Et sur une prise, bah, il a du mal à. Une mauvaise prise. Il fallait trouver la solution collective. Voilà. Comme le gardien est sorti sur lui. Peut-être que la solution de centrer en retrait était plus adéquate. Très belle intervention du latéral droit. C'est, on voit que les Marocains font ce que les Gabonais arrivent, ont du mal à trouver. Mais c'est dû aussi à la technique individuelle des défenseurs qui peuvent poser le pied sur le ballon. Et, peuvent poser le pied sur le ballon et mettre à mal le pauvre numéro 9. Ah bah c'est la première rampe de lancement, hein, donc sans que voilà. Comme il est lancé tout seul dans un pressing, bah, il a du mal à récupérer. Un des derniers changements, je pense, pour l'équipe marocaine. Le joueur de sa fille, Morabit. Le numéro 18. Belle récupération de Mehdi. Qui a choisi la solution individuelle. Alors que la solution collective est encore une fois peut-être plus. Il faut faire attention quand même, hein, de respecter, hein, parce que voilà, là, ce rassemblement, on est en train de travailler. Après, voilà, il ne faudra pas. Faire ces erreurs-là voilà, dans des grandes compétitions, quoi, parce que là, c'est vraiment une occasion de but. Là. Sortie du numéro 9. Rappelons, c'est un 98. Bon hein, c'est un 98. Il a le temps de mûrir. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous, hein, mais ça n'empêche pas qu'il aurait pu faire la passe. Bien sûr. Parce que là, c'était un 2 contre 1. Bien sûr. Sur une récupération très 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 haute. Une belle équipe, hein. Vraiment une belle équipe marocaine. Oui, je pense. Vraiment très cohérente. Je pense que c'est une équipe très prometteuse. Oui, oui. On sent qu'avec du travail et la multiplication justement de ces concentrations, de ce genre de match, feront que ça deviendra sûrement une équipe compétitive à l'international. Du moins, c'est ce qu'on espère pour cette équipe du Maroc. L'équipe du Maroc qui fait circuler le ballon. Là, encore une fois, c'est le latéral gauche qui manque le temps, David. Oui. Voilà, qui va perforer. On se demande pourquoi. Voilà, on est dans les arrêts de jeu. Il est encore là à proposer, déborder, centrer, essayer de centrer. Non, mais comme vous l'avez dit hein, tout à l'heure, hein, dans le football moderne, hein, après, on parle d'agressivité, mais surtout de la générosité. Hein, c'est très important hein, pour essayer de s'oublier un peu pour le partenaire, jouer pour le partenaire, les efforts. Une frappe. Une belle frappe. Qui passe juste à côté de Regragui à l'entrée de la surface de réparation. Encore une occasion. Donc un match où le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Oui. Il
Même à la fin, même vers la fin, on voit que les Marocains ont cette volonté de repartir par derrière. Là, on ne veut même pas tirer le coup franc. C'est prévisible ce que les Gabonais essayent de faire. Très bon match de Regragui. Tout de suite. Ah, c'est pas le bon choix. Ouais, c'est un peu tard. Il fallait jouer peut-être sur le côté directement. Sur côté, avec un Maka lancé, ça pouvait faire la différence. Surtout, il y a de la vitesse. Bien joué. Et but. Encore une belle occasion. Mm-hmm. Il ne fallait pas viser le gardien. Chercher côté. Justement, en parlant de gardien, j'ai été très étonné autour de ce rassemblement et aussi pendant le tournoi à Montaigu par la qualité des gardiens marocains. Hein, parce que je sais que voilà. À une époque, même si j'ai tout respect pour les gardiens, c'était pas vraiment une grande école de gardiens. C'est à l'image de pays qui ont cette technicité. Justement, on avait tendance à mettre le moins bon joueur dans les derniers buts. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, c'est vraiment un poste qui a beaucoup évolué au Maroc, avec lesquels on travaille. C'est des gardiens avec lesquels on travaille beaucoup. Bon, chez nous, le coach, il est là, le coach de l'académie, c'est Najib Larj, il est là avec nous.